C'est Young Wish. Le sport a toujours fait partie de moi, notamment la musculation. Depuis peu de temps, je me suis inscrit en salle de musculation et j'ai découvert ce sport incroyable. Ce sport me permet de me pousser et me donner à fond chaque jour, chaque séance. Et je dis ce sport, mais la musculation, ce n'est plus un sport, c'est un mode de vie. Progresser en musculation, ce n'est pas compliqué. Il faut juste être strict. Il faut juste être motivé, il faut juste avoir faim, il faut juste avoir envie d'avancer et de progresser. Mais aussi, il te faut un but, il te faut un projet, il te faut un objectif. Parce que sans tout ça, tu seras perdu. Tu ne sauras pas où tu vas, tu ne sauras pas où tu es. Tu n'auras aucune ligne d'arrivée, aucune destination. C'est comme si que tu prenais un taxi et que tu disais à la personne d'aller loin, que tu vas aller loin, sans destination. Devant le miroir, j'aime bien regarder mon travail. J'aime bien regarder mes efforts, ma motivation, ma hargne, mes points forts, mes points faibles. Voir ce qu'il y a à rattraper, voir ce qu'il y a à changer, voir si mon nouveau programme a marché, voir si je progresse, voir si je stagne. Mais bon, quelquefois, quand le physique est trop chaud dès le matin, t'es obligé de faire 2-3 photos pour les réseaux. Ça, je pense que personne ne peut y échapper et que tout le monde fait ça. Au début, je restais dans mon coin, je restais caché. Je faisais juste mon sport pour extérioriser, pour relâcher, pour libérer la pression et me défouler. Et un jour comme ça, j'ai décidé de me filmer en train de faire du sport, filmer une séance. J'ai juste fait des pompes.
un peu de pompe. C'est tout. Cette vidéo, je l'ai partagée. Et j'ai motivé énormément de personnes sans le vouloir. J'ai même changé des personnes sans le vouloir. Et là, c'est un déclic pour moi. Depuis quelques temps, j'ai commencé à me filmer. J'ai commencé à donner des programmes. J'ai commencé à parler, donner des conseils, raconter un peu de conneries. Ça me faisait du bien. Et ça faisait du bien aux gens qui m'entouraient. Et parfois, il y a des coups durs où je suis à court d'idées, je suis à court de projets, où je me demande est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je vais continuer, est-ce qu'il faut que je continue ou est-ce qu'il faut que j'arrête, parce que la motivation diminue, elle ne part pas mais elle diminue, donc je me plonge dans la musique. La musique c'est vraiment un remède pour moi de me mettre dans mes objectifs et de me donner à fond, et de penser à tout ce que j'ai fait, au travail que j'ai fait pour en arriver là. Et je sais que si un jour je baisse les bras et que j'abandonne, ben le dames d'avant me le pardonnera jamais. La diète, c'est très important en musculation. Moi, j'ai du mal à faire une diète stricte et rigoureuse. J'ai du mal. Je surveille ce que je mange chaque jour et je donne toujours à mon corps ce qu'il a besoin pour construire du muscle. Parfois, je m'autorise de trois écarts parce que mon corps et la tête le demandent. Mais dès que je fais un écart, je me rattrape. La séance qui arrive, elle est plus lourde, plus intense, plus dure, plus hargneuse, avec du cardio quelquefois, pour limiter la prise de gras et conserver le muscle durement travaillé. Il y a maintenant un an que je fais des vidéos sur cette chaîne, un an que je me donne à fond, un an que j'atteins mes objectifs, un an que je vais plus loin dans ce que je fais. Et je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté de la force pour mon projet, pour mes projets, pour mes objectifs. Et je tiens à dire qu'une seule chose à toutes ces personnes-là. Ce n'est que le début. Say you win.